Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Romney pour une nouvelle vidéo, donc j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Donc on se retrouve sur mon serveur Minecraft, donc oui, sa présentation, c'est lesfanianetwork.com. Donc je fais une mini présentation du serveur, alors j'ai pas beaucoup de temps, mais en gros là on va faire jouer un jeu, c'est le Double Brain, donc en gros c'est un Nika Brain, mais amélioré, donc c'est du 4 équipes. Donc il y a Tetwings qui est Shadow Pass qui vient de faire un live là sur le serveur. Je fais une vidéo tant qu'il y a un peu de monde qui reste, comme c'est une bêta, donc il n'y a pas énormément de monde pour l'instant. C'est pour ça que je fais une vidéo justement pour vous faire apprendre connaissance à ce serveur. Donc je vais faire start le jeu. Screen, il est drôle. Tiens, voilà. Donc c'est parti. Donc en gros, c'est un Nika Brain comme vous pouvez le voir là, mais avec 4 équipes. Voilà. Donc voilà, il vient de me brain là. Par contre, je sais pas ce qu'ils foutent. Ils sont AFK. Vraiment désolé pour cette présentation. Ah non, c'est bon. Si le bleu il est AFK, bizarre. Bon, j'ai marqué chez lui alors. Non, tu as pas marqué. Excuse-moi. GG. Donc il y a un système de points et tout. Il y a des succès. Donc c'est super bien fait. C'est-à-dire que vous pouvez gagner des points en finissant le jump du waiting room. En découvrant des secrets sur le serveur, gagner des points. Enfin, il y a plein de façons de gagner des coins, c'est des points, et ces points propres pour les... Vous avez vu que quand je parle au début là, ça marque que j'ai 268 points et tout. Enfin bref, ça... C'est une grosse histoire de compétitivité avec les points. Donc oui, il y a plein de bugs, comme Tetwings a dit dans son live, mais c'était une bêta, c'est-à-dire que le but d'une bêta, c'est de récolter les bugs. Mais à l'heure où je vais sortir cette vidéo, la plupart des bugs seront corrigés. Donc voilà, heureusement pour vous. Et vous pouvez vous connecter sans aucun problème. Mais le bleu, il joue pas du tout bleu. Hein. Oula. C'est moi ou le bleu il commence à jouer? Ah non. Non, le vert il va marquer merde. Ah, le violet il a marqué avant. Chaud. Je sais pas ce qui se passe, mais bon. Oula, qu'est-ce qui se passe là? Oh lolo! Comment ça? Ah, il est mort, voilà. Alors. Oh, oula, oh oh la vache, ce MLG que j'ai fait là. J'étais en train de regarder vers le haut, je regarde vers le bas et je pam! Enfin, je. Et ça casse les couilles ça. Non! Oh putain, il a gagné. GG à lui. Par contre, ça c'est un bug, voilà. Un bug, c'est qu'on peut encore se PP. Bon, bref. Ouais, on arrive sur le lobby. Donc, on a le menu principal avec le Sky Battle, c'est un deuxième jeu qui est pas mal aussi. Donc, voilà, je vous laisserai jouer à tout ça. Un autre jeu qui va arriver, un troisième jeu. Donc, je vais juste vous dire le titre. Ça va s'appeler le Rush de Totem. Donc, normalement, il est en cours de développement. Il va pas tarder à arriver. Et tous les bugs normalement vont être corrigés aussi. Désolé pour ma voix si jamais ça s'entend, mais j'ai un peu la voix cassée. Je tousse depuis une semaine, deux semaines maintenant, donc voilà. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis désolé pour l'inactivité pour l'instant, mais c'est vraiment à cause des cours. Donc je vais essayer de reprendre si possible les vidéos. Mais voilà, c'est un peu plus compliqué avec les cours. Franchement, je vais essayer de faire un truc de ouf pendant les grandes vacances. Et je vais essayer de monter en abo en faisant des bonnes vidéos et tout pendant les vacances. Donc voilà. Sur ce, je vous dis. Merci de regarder la vidéo, n'hésitez pas à vous connecter sur le serveur. Donc je vous rappelle, l'IP c'est play.levanianetwork.com. L'IP sera dans l'inscription. Et sur ce, je vous dis à 1.9 et c'est au premium. Et sur ce, je vous dis bonne soirée.